Bonjour à tous. Je vous propose de découvrir une bossa très simple, très connue, qui a fait l'un des derniers succès d'Henri Salvador, qui s'appelle Jardin d'hiver, qui a été écrite par Karen Hahn, une jeune compositrice à l'époque, donc déjà, l'air de rien, une bonne dizaine d'années. Voilà, et qui est une bossa typique, donc très lente, ce qui va nous permettre de jouer très facilement les motifs rythmiques et avec une cadence harmonique assez simple. Alors, dans un premier temps, je vais vous la jouer. Et puis après, voilà, nous allons voir à la fois les principes rythmiques, puis ensuite les principes harmoniques et la déclinaison générale du morceau, couplet, refrain, plus généralement. Voilà. Donc. Je voudrais du soleil etc., etc. Voilà. Donc vous avez vu, couplet, refrain, une petite intro qu'on fait comme on l'entend. Je crois que l'intro, elle peut être jouée simplement sur l'accord initial. Donc un morceau, d'abord la tonalité, fa dièse mineur. Fa dièse mineur avec une petite originalité. Le fa dièse mineur contient une treizième. Très souvent, bossa nova, on a une fa dièse mineur qui est ici. Ici, une fa dièse mineur 6. Et là, l'intérêt, c'est que la sixte est jouée à l'octave supérieure, elle est jouée là. Voilà. Donc, c'est une note extérieure à l'harmonie. Hein. Voilà. Alors, le couplet est joué 2, 5, 5-1, tout simplement, fa dièse mineur, précédé son 5-7, c'est-à-dire do dièse 7, avec une neuvième bémol. Le do dièse 7 est là. Ici. Ici j'ai Do dièse, 7. Là je monte Do dièse, Ré, la neuvième bémol. Voilà, que je jouerai comme ça, avec éventuellement une alternance de basse, avec le Sol dièse qui est sa quinte au-dessus. Enfin, au-dessus pour la guitare, mais en fait la quinte inférieure, dans l'octave inférieure. Voilà, et là on a un Fa dièse. D'accord, voilà. Donc tout ça, en fait, toujours des motifs sur deux mesures, en tout cas pour le couplet. Donc, le motif rythmique. Le motif rythmique, c'est le rythmique bossa typique tel qu'on la connaît, c'est-à-dire en fait une première mesure avec en 2-4, hein, tout est en 2-4. Donc, une première mesure, croche-croche, double-double-double. Hein, donc, on a pam-pam-ta-dan-ta. Ça, c'est la première mesure. Donc 1 et 2 et 1, 2 et voilà. Chaque temps, début de temps, il y a la basse jouée. Le premier avec l'accord. Hein, je le fais pour le premier accord. Donc ici ma basse, plus l'accord ici. Basse ici. Premier temps. Le et, on n'a que l'accord. C'est-à-dire ça et ça. J'ai 1 et deuxième temps 1 et 1 et voilà donc qui fait que la même mesure fait si j'enchaîne en rond cette mesure en boucle
travailler déjà en boucle cette première mesure, si on n'a pas l'habitude de la rythmique bossa. Attention, jouez très lentement, ce morceau d'ailleurs est très lent, pour avoir une efficacité rythmique impeccable. La bossa nova, c'est de la régularité. Ok. La deuxième mesure est quasiment inversée, c'est-à-dire qu'on a le motif du deuxième temps au premier. D'accord ? Et le troisième temps, ce sera deux doubles croches. Sachant que sur le deuxième temps, on ne joue que la basse, plus la. Hein. Donc j'ai. Parfois, on peut avoir. C'est-à-dire croche, croche, double, double croche, double, tam, 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 okay. Un et, un et, voilà, un et, un et, un et, un et, voilà, un et, un et, ok. J'associe mes deux mesures, tout morceau sera comme ça, quel que soit le. Donc, mes motifs sont sur deux mesures, mes motifs rythmiques. Je lis mes deux mesures. Voilà. Alors, très souvent, la dernière double croche, on a une transition. Voilà le motif rythmique. Donc mon refrain, je vais avoir un motif comme ça, un motif sur Do, un motif sur Fa dièse, un motif sur Do bémol 9, avec changement de basse sur la deuxième mesure, et un motif sur Fa dièse. Hein, d'accord ? Passer là un mouvement de basse. Ok, voilà. Ça va être donc pour Jardin d'hiver 5-7-1 avec l'originalité, pour rappel, du Fa dièse mineur 13. Le pont, et bien tout simplement, on va avoir quatre mesures en La majeur 2-5-1 et quatre mesures en Fa dièse, c'est-à-dire quatre premières mesures, tu vois. Alors, là, évidemment, j'ai un accord par mesure. Donc, j'ai Si bémol mineur 7, Si mineur 7, pardon, Mi 7, 9, et on ira après avec un La bémol majeur, demi barré, La bémol 6, 9. Donc j'aurai première mesure. Na, sur la pluie de novembre. La, 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 presque le même accord. Dans la pluie de novembre. Je décline la rythmique. Na, sur la pluie de partie, on retrouve un 2-5, c'est-à-dire au lieu d'avoir seulement 5-7, tu auras le 2-5 mineur, c'est-à-dire ici le 2 de Fa dièse mineur, c'est Sol dièse mineur, 7, mais quinte bémol, comme ça. En fait, on a une position de La, de Casculo, avec une basse de Fa dièse. Na 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 na
Si on résume le tout, ça fait. Ok. Et dernière chose, une liaison entre le couplet et le refrain. Donc quand on arrive à la fin du refrain, on aura. On fait un break, c'est-à-dire qu'on va 2, 3, 4. Donc là, je vais jouer soit ce qu'ils font souvent les bassistes, c'est venir par pour arriver sur le sol mineur, on va arriver par chromatisme. 2, 3, 4, 1. C'est quand même plus intéressant. C'est-à-dire qu'on part du 2, fa dièse, sol dièse, pardon. Sol dièse, là, la dièse, si. Donc on aura. Morceau. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ce téléphone, on va laisser sonner un moment parce que là, il y a un problème. Voilà, merci. Encore une publicité. Je reprends à la fin du rang. J'ai de faire la liaison au deuxième tour, sinon ça devient un peu pesant. Voilà. Et ce que je vous propose, donc, aussi, c'est dans votre débit rythmique, de temps en temps, introduire les arpèges. C'est-à-dire, une mesure, vous jouez là, une fois que vous avez l'habitude de jouer votre rythmique bossa, vous rentrez un arpège, en n'importe lequel, ça peut être... Pardon... sur cet accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, celui-là. Celui qui vous vient sous les doigts. C'est très beau ça. Ici. Voilà, etc., etc. Voilà, et ben je vous souhaite bon courage et puis à un prochain morceau. Au revoir.